بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. Bonjour. Depuis longtemps, on cherche à être méritoire dans tel domaine, dans tel ressort, sans se soucier de ce qui va advenir dans l'autre vie, dans l'au-delà. C'est-à-dire, la majorité des gens ne croient pas à cet au-delà. Au-delà de ce qui est terrestre, au-delà de ce qui est céleste, il y a ce qui est allaïque. Pourquoi tant de gens ne donnent pas de valeur pour cette notion-là? Vous ne pouvez jamais démontrer qu'il n'y a pas Allah. Vous ne pouvez jamais résister à l'aspect véridique du Coran. Pourquoi vous persistez dans le déni par rapport à l'existence du Coran? Donc, s'il vous plaît, si vous faites la grosse tête et si vous persistez dans votre déni, sachez bien que c'est une impolitesse à l'égard de Dieu. Et un homme ou une femme qui se respecte ne pense jamais à être impoli vis-à-vis de son Créateur, parce que le Créateur, il est là, le Créateur, il est dominateur, le Créateur, il est gracieux, il est miséricordieux. Qu'est-ce que vous attendez pour vraiment vous convertir à la religion alaïque, c'est-à-dire à l'islam, à la soumission totale et définitive et absolue à Dieu, l'unique créateur? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.